à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs. Rencontre Patrice Talon, acteur politique tout bord confondu. Seul, les formations politiques proches du pouvoir ont, dans l'ensemble, répondu à l'appel. Autour du chef de l'exécutif, l'Union progressiste, le Bloc républicain, le PRD, Moël Bénin, FCDB, l'UDBN. Tenu sans l'opposition, FCBE, RE, USL, pourtant très attendu, et une autre formation politique proche du régime, la DUDE, elle n'aura cependant pas été un rendez-vous manqué. La dite rencontre, bien entendu. Patrice Talon, après avoir échangé avec ses hôtes, a prié le Parlement de se réunir en session extraordinaire dès lundi ou le week-end afin de proposer des mesures susceptibles d'aider à sortir de l'impasse. Appel de Patrice Talon au toilettage en urgence des tests de loi querellés vers un dénouement de la crise préélectorale. Mesdames, messieurs, c'est bien entendu le thème au menu de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Pour le plateau, deux acteurs politiques. Vous allez les découvrir tout de suite. Et maintenant, déjà installé sur le plateau, à ma gauche, Gilles Rondolo, acteur politique. Il est l'un des membres fondateurs du Bloc républicain. Gilles Rondolo, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de lui, Laurent Delofaton, secrétaire national adjoint du parti FCBE. Il en est le chargé à l'économie numérique. Laurent Delofaton, bonjour. Bonjour, monsieur Yetondi. Merci de répondre à notre invitation. Plaisir renouvelé. Ah oui, c'était annoncé, ça a été chose faite. Patrice Talon, pour une élection inclusive. Les mots, mesdames, messieurs, sont ceux du chef d'État béninois en personne. À la faveur de la rencontre initiée avec la classe politique, il s'est montré particulièrement porté vers une telle idée. Idée appelée depuis peu, mesdames, messieurs, par bon nombre de béninois. La rencontre du 6 mars au palais de la Marina, je retourne vers Gilles Rondolo. Comment l'avez-vous vécu? Écoutez, le Bénin, notre pays, a ce secret que bien nombre de fois, on n'arrive pas à expliquer. Dans la mesure où, encore une fois, le génie béninois est en train de dicter sa loi. Nous étions dans un contexte totalement crispé, dans la mesure où, si les tests devaient s'appliquer, tels que c'était parti, il n'y avait pas a priori d'issue. C'est-à-dire qu'on allait se retrouver aux élections du 28 avril sans l'opposition. En fait, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors, dans un contexte comme celui-là, lorsque un chef d'État, notre chef d'État, pour moi, se met au-dessus de la mêlée, et en tant que père de la nation, il invite tous les acteurs politiques et disent « Venez, discutons, rabaissons la garde et essayons de trouver ensemble quelle est la porte de sortie louable et idéale qui renforce les liens dans le pays, mais également qui nous fait grandir et affermir davantage notre démocratie. J'en suis fier et je dis merci, monsieur le président de la République. Ah, en tout cas, Falton, vous avez suivi Gilles Rondolo, mais vous avez suivi aussi le chef de l'État. Vous avez hier découvert simplement un chef d'État, une père de la nation ou toute autre chose? C'est le moment pour moi de remercier la presse nationale, Bénin, c'est une presse nationale qui, depuis environ 2 ans, a permis à l'opinion de parler, à l'opposition nationale béninoise de parler. Je dois remercier particulièrement Sika TV qui nous a offert plusieurs plateaux sur lesquels nous avons toujours voulu que le chef d'État revienne beaucoup plus au sens du consensus national. Que le chef d'État prenne en compte les aspirations et le point de vue de l'opposition. Qu'il comprenne que le Bénin est pour nous tous et n'appartient pas au BNP ni à ceux qui l'entourent. Et que ceux qui sont de l'opposition n'ont rien contre sa personne, mais contre une manière de gouverner. Nous avons eu beaucoup de débats ici où on a toujours souhaité que le chef d'État considère les vis-à-vis et qu'il fasse une gouvernance inclusive. Je pouvais rire hier quand j'ai suivi le chef de l'État dans ses propos. Je pouvais rire. Mais quand il est question du Bénin, on ne peut pas rire.
Parce que ce qui s'est passé concerne le peuple béninois, concerne notre patrie commune. Et quand j'ai vu le chef de l'État revenir entre griffes à la raison, j'ai dit, mais il aurait dû le faire depuis plus. Il nous a fait perdre de l'énergie, du temps et des moyens, de l'argent. Parce qu'il y a de cela environ un an, quand les lois ont commencé à être votées, l'opposition parlementaire a crié sur tous les toits pour dire vous allez trop loin. Ces lois ne sont pas des lois normales, ce sont des lois dignes de système démocratique, qu'il faudra quand même faire des concessions, qu'il faut écouter, qu'il faut choisir des lois qui aident à faire avancer la démocratie béninoise et non des lois taillées sur mesure pour permettre à un régime de gagner une élection. Et on les a laissés. Parce que nous crions à côté, ils voyaient que c'était à griffe les voyous de la République, les apatrides de la République, qui ne veulent pas que le Bénin avance, qui ne veulent pas que le chef d'État gouverne normalement. Et ils nous ont saccagés sur tous les toits, ils ont tout dit de l'opposition. Aujourd'hui, quand ils ont le dos au mur, ils ont compris qu'il faut faire une élection inclusive. C'est heureux. Mais sachez que le plus dur vient de commencer. Le plus dur? Ceux qui ont pensé qu'on est arrivé maintenant à bout de notre peine, c'est maintenant que les problèmes commencent. Et c'est aussi d'une chose, les jours à venir seront des plus durs pour le régime, pour le BNP et pour tous les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliquée. Et apparemment, nous ne voyons pas encore là où une gouvernance, je dirais autocrate, une gouvernance jusqu'au boutiste, réformiste, nous a conduit. Nous sommes aujourd'hui dans une situation compliquée parce qu'il y a un contexte qui a été sulfureux à un moment donné, qui heureusement a quitté ce niveau parce qu'on était pratiquement au bord de l'explosion. Maintenant, nous avons quitté l'explosion, mais nous sommes revenus sur Terre. Mais il faut gérer les crises. Quand on vient sur Terre, est-ce qu'on peut se permettre de dire, comme vous le dites, que ce n'est que maintenant que le plus dur commence? Le plus dur commence parce qu'on ne peut pas aujourd'hui réviser les lois électorales. Ah là, si c'est là où vous voulez aller, on va y revenir avec votre permission. Et le chef de l'État, vous l'avez suivi, vous l'avez subtilement aussi signalé, a bien précisé que la situation, elle est préoccupante. Et il faut voilà, aller de l'avant. Nous entrons là dans le décryptage des messages phares, les séquences ayant ponctué ces échanges avec la classe politique. Le chef, vous l'avez suivi, dans cette posture où lui-même, il a affirmé, et Gilles Ondolo, que la situation, elle est préoccupante. De votre regard d'arbre de citoyen, en le suivant, sur cette optique, cette façon de voir les choses, comment vous l'avez vécu? Écoutez, avant de répondre à votre question, oui. Il me plaît, si vous me le permettez, ne vous en faites pas, vous êtes là pour ça. D'apporter de la lumière quand même sur certains aspects évoqués par mon cher ami Laurent Delors et qui concernent spécifiquement ceci. J'ai entendu Laurent expliquer que des lois ont été votées en l'absence totale de la contribution de la minorité. La réponse est non, Laurent. La minorité a bien contribué à voter les dites lois. Aujourd'hui, il n'y a que deux lois qui soient querellées. C'est l'achat des partis politiques et c'est la loi électorale. Ce sont ces deux lois-là qui sont querellées. Mais je vais vous apporter deux petits exemples. Aujourd'hui, on parle du 10% national, où on dit un parti, pour être représenté dans les conditions qui ont été expliquées dans la loi et par les explications qui sont venues plus tard, pour être représenté au Parlement, doit réunir 10% du suffrage exprimé. Mais au départ, nous étions partis sur la base de 20 à 25%. Et c'est cette opposition qui a discuté, qui a fait des propositions. On est arrivé dans un premier temps à 15%, on a tout suivi les débats, et après, on a chuté à 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce point précis, l'opposition a contribué. Deuxième élément, aujourd'hui, mais contribuer, ça suffit. Aujourd'hui, qu'elle est consentante. Absolument. On a entendu des gens dire, mais vous allez vous faire piéger. On creuse votre temps. On a vu des députés qui ne savent plus un propos. Oui, il y en a qui avaient une certaine posture par rapport à ces lois-là. Mais eux tous n'avaient pas la même posture.
Et deuxième élément sur lequel je mets l'accent, et c'est important que le peuple le sache, parce que lorsque nous nous mettons dans une posture d'accusation où on trouve le mal forcément sur les intentions de l'autre, on ne dit pas la vérité au peuple. Alors, a ce devoir. Alors, le second point, ça concerne l'effectif, le nombre d'adhérents qu'il faut par commune. Au départ, les propositions du BMP étaient 100 adhérents. Le DMP... 100. Était 100 adhérents. C'est à la suite des discussions entre la minorité et la majorité parlementaire qu'ils ont trouvé le consensus de 15 membres adhérents, membres fondateurs par commune. À partir de là, lorsqu'on a contribué pour écrire ce type de loi et qu'après on a participé à voter ce type de loi, j'ai dit... Pourquoi on ne veut plus respecter cette loi? Pourquoi on ne va pas la respecter? Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, moi j'ai compris plus tard qu'en réalité, c'est cette opposition qui est restée tout le temps dans la ruse, puisqu'elle a posé des pièges. On a une opposition rusée. Je l'affirme. Je l'affirme pourquoi? Vous avez contribué à voter une loi. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Si vous n'étiez pas d'accord, vous auriez pu dire non, on n'est pas d'accord. Et nous savons que le consensus aujourd'hui a une valeur constitutionnelle dans notre pays. Et peut-être sous ce prétexte, vous auriez pu faire échec donc à ce type de loi. Dès lors que vous avez participé à ça et qu'il n'y a pas eu particulièrement de réaction spécifique qui montre de votre part que, ben écoutez, vous n'êtes pas totalement d'accord avec ça, après, il faut la respecter. La loi, elle est là pour tout le monde. Et on est tous d'accord pour dire, pour déplorer le fait qu'on se retrouve à des micro-parties, à des parties de rue, de village ou de maison, etc. C'est comme ça que nous avons fonctionné. Et le chef de l'État, en venant au pouvoir, a dit, je viens pour les réformes. Et quand on parle de réformes, écoutez, ce n'est pas la joie. Ça ne veut pas dire qu'il y a un BMP quelque part, il y a des partisans du chef de l'État ailleurs qui sont heureux de ce qui se passe. Pour tout le monde. Moi, je n'ai aucune joie à aller dans une élection où je n'ai pas un challenger avec qui je croise les fers. Je n'ai aucune joie. On dit bien, on vainc sans péril, on triomphe sans gloire. C'est un avis partagé, dites Gilles Rondolo. Intéressant, sa voix-là. Absolument. Un avis partagé par l'ensemble. Vous avez suivi. Accompagnant le chef. Vous avez suivi le chef de l'État lui-même. Oui, le chef. Mais si le chef de l'État ne partageait pas cet avis, il ne constaterait pas que la situation est préoccupante. C'est un mot bien choisi et bien évalué. Il a sorti ce mot. Il a sorti ce mot. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous conscients que. Nous nous retrouvons dans une situation qui n'est pas la meilleure pour notre pays, le Bénin. Et le Bénin, il est pour nous tous. Il n'y a pas un Béninois qui veut du bien du Bénin et un autre qui veut du mal du Bénin, qu'on soit de la mouvance ou qu'on soit de l'opposition. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas possible. Et vous comprenez que dans un contexte comme celui-là, je dis, et je reviens encore là-dessus, lorsque Laurent Delors Faton dit que le chef de l'État, ce n'est que maintenant qu'il descend sur terre, etc. J'ai dit non, on doit plutôt l'en féliciter. L'en féliciter parce que voilà des gens qui étaient d'accord sur un principe et qui mettent tout en œuvre pour ne pas participer, pour ne pas déposer leur dossier. Et si vous permettez, on va peut-être regarder les choses dans le fond. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la base des difficultés que nous avons? Voilà des gens. Je ne vais pas les citer nommément. Il y en a qui ont déposé leur dossier sans signer leur statut. Il y en a, ils ont déposé leur dossier en allant prendre des noms d'emprunt, c'est-à-dire la carte Lépi qu'ils doivent mettre dans le dossier n'est pas la bonne. Hein, c'est une carte qui correspond à quelqu'un d'autre. Il y en a que certains candidats potentiels ont dupé, c'est-à-dire en leur remettant leur quitus fiscal à eux, mais ils vont remettre encore un autre quitus fiscal à d'autres parties, et ça se retrouve qu'on a des doublons à gauche et à droite. Est-ce que dans un pays sérieux, je dis bien dans un pays sérieux, qui aspire à la démocratie, même si notre démocratie a déjà plus de 25 ans, je continue de dire que nous faisons notre apprentissage. Est-ce que c'est sérieux, à votre avis, Monsieur Joël, est-ce que c'est sérieux qu'on se retrouve dans une situation où ceux-là qui ont voté la loi refusent de l'appliquer? Vos questions méritent réponse et la personne la plus habilitée, heureusement, est sur le plateau. Oui, Delors, Faton, pourquoi avoir usé tout ce temps avec le peuple? Vous avez agi de la sorte, vous avez participé en catimini à des tests de loi et après vous criez au scandale. Oh, vous savez très bien les pièces qu'il faut présenter, vous rusez en présentant d'autres pièces et à la suite vous criez à l'exclusion.
Pourquoi avoir manœuvré ainsi? Je n'aime jamais employer le mot ruse et rage sur un plateau. Je n'aime jamais le faire. Parce que ce sont des mots qu'ils ont inventés et ils connaissent bien le contenu. Ce sont eux qui ont mis le contenu au mot. Il faut qu'ils en prennent conscience. Mais et vous l'avez utilisé? Ça n'a jamais été une panacée pour l'opposition pour pouvoir remporter les élections. Ce sont eux qui ont pensé qu'en rusant et en étant enragés, ils pourront gagner une élection. L'opposition n'était pas en lice quand on a déposé le dossier. En dehors de USL, qui était parti et on savait qu'on allait retirer le dossier, ce sont leurs blocs, ce sont leurs partisans qui sont allés. Et le système s'est bloqué d'eux-mêmes. Le système ne s'est pas bloqué parce que l'opposition y a contribué. On n'a rien fait. Ils nous ont empêchés d'aller présenter nos candidatures et ils ont continué le processus sans nous. Et qu'ils vous souviennent, c'est comme si M. Rondolo a oublié qu'il y a une semaine, le même chef de l'État qui a tenu hier un discours différent avait tenu un discours il y a une semaine de Django. Qu'est-ce que ça suffit pour nos téléspectateurs? Un discours Django, de quelqu'un qui se croit tout permis, qui est le plus fort que tout le monde et devant qui tout le monde devait faire une génuflexion. Ah, c'est ça. S'il parle, personne ne doit parler. Par la dernière fois, il donnait le coup de morale et de droit constitutionnel à tout le monde, à toute la classe de l'opposition qui était allée le rencontrer. Et il était assez ferme. Mais hier, le ton a changé de camp. De l'homme ferme, sans concession, rigoureux et rigoureux, hier, on a vu un homme qui a baissé de camp, qui a pensé qu'il faut un consensus, qu'il faut de l'inclusion, et qui a commencé par savoir que l'image de la démocratie béninoise est importante et qu'il faut la préserver. Mais par le passé, il n'a jamais pensé à l'image de la démocratie béninoise. Parce qu'on a toujours dit que nous avons une histoire, un parcours, qu'il ne faut pas qu'au niveau international, que notre image soit entachée. Mais en 2 ans et demi, ils l'ont entachée, avilie. Et aujourd'hui, qu'ils prennent conscience qu'elle est image. Quand on dit image, c'est qu'on connaît de quoi on parle quand on parle de démocratie. Et démocratie, c'est de laisser l'espace à l'opposition. Et nous avons su, et nous avons vécu tous au Bénin, on a vu chacun de nous, qu'à l'Assemblée, le BNP a voté les lois les yeux fermés, comme le chef l'avait demandé. Et l'opposition n'était que de face. Quand M. Rondolo me dit que l'opposition a contribué, nous savons tous quand même ce qui a été le sort de l'opposition au cours de l'Assemblée. Et c'était heureux en partie hier, quand le chef de l'État ramenait son ami éternel, son alter ego, son vrai partenaire, le président Rumbedi a la raison. Parce que le président Rumbedi a joué le rôle qu'on ne peut jamais penser qu'il peut jouer dans ce pays. Et ce sont eux qui nous ont conduit là où nous sommes aujourd'hui. Le chef d'État ne doit regarder dans son camp. Qu'est-ce que la minorité parlementaire a fait? Toutes les fois que la minorité parlementaire avait des propositions à faire, on les écartait de main. Et on ne prenait que ceux qui éventuellement les arrangeaient à la limite. Ce qu'ils ont fait tout le temps. Et ce débat a plus besoin de le faire. Tout le monde l'a suivi, parce que quelquefois le débat était retransmis en direct. On a suivi et on a vécu ce qui se passe dans ce pays. Plus qu'à ne faire ce débat sur la mauvaise foi de l'opposition, nous savons que la mouvance a été de mauvaise foi. Ils ont utilisé leur rage à fond, et quand leur rage a commencé par les enrager maintenant, ils ont compris qu'il faut revenir en arrière. En tout cas, qu'on ne fasse plus le débat par rapport à l'opposition. L'opposition n'a rien fait pour les empêcher de voter leur loi, de les promulguer et de les mettre en application en inventant d'autres lois ou d'autres choses qui n'existaient pas. En tout cas, vous savez, le système a été mis en place par le régime. Et aujourd'hui, ils sont venus à bout de souffle. Ils sont bloqués par le système. Et ils cherchent aujourd'hui la porte de sortie. C'est votre regard, mais... La porte de sortie ne sera pas aussi facile comme ils le prétendent. On reviendra là-dessus, mais vous l'avez suivi ici, Laurent Deloffe. Attends, Gilles Rondolo, oui, assez de récriminations contre le pouvoir. Le chef de l'État, hier, a montré qu'il a informé de ce qui se dit sur sa gouvernance et peut-être sur lui. Je vous rapporte, et pour nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas suivi, quelques bouts de cette séquence. Il dit, je cite, lors de cette rencontre du 6 mars, « Je voudrais vous prier et prier ceux qui ne sont pas avec nous ce matin que leur état d'esprit, peut-être, de révolte, de mécontentement, qui s'est matérialisé par leur absence aujourd'hui, n'est pour nous qu'un message de désolation. Je prends ça ainsi et que ce n'est pas plus que ça. Ce n'est pas plus que ça. Voilà. Je voudrais dire que tout est encore possible. Tout est encore possible. Laurent Deloffe, attends, comme pour dire, repartons sur de nouvelles bases. Est-ce que ça ne fait pas
si beau que ça. Je ne veux jamais croire aux propos du chef de l'État que si je le vois en action. Ah bon? Toutes les fois qu'il a prononcé des... Il dit tout ça, il dit « tout est encore possible ». Je n'ai jamais dit le contraire, tout est encore possible, mais il faut qu'il révise sa position. Il faut qu'il prenne acte lui-même de ce qu'il a dit hier et que les actes quotidiens qu'il va poser désormais soient en accord, en concordance avec ce qu'il a dit hier. Il ne cherche pas de dire que tout est possible, il ne cherche pas de poser les actes pour rendre possible ce qui devra l'être désormais. Parce que il n'est plus désormais le celui qui décide de la suite du processus. Ce n'est plus lui désormais qui doit dire sur quelle base on doit faire les choses. Il n'est pas le pouvoir législatif. Qu'il laisse le Parlement. Non, ça, il a reconnu. Qu'il laisse, il a pas la fait main libre, qu'il laisse la main libre au Parlement de faire tout. Ce n'est pas vous lui. Vous insinuez quoi ça? Il demande, en tant que chef d'État, pour demander une session d'urgence. Ok, on va revenir sur cette session. Permettez que votre vis-à-vis réagisse par rapport à cette ouverture. Le chef de l'État, vous l'avez suivi, et j'ai rapporté tout à l'heure, a dit à tous, et surtout à ceux qui étaient absents, donc la classe politique de l'opposition, que tout est encore possible. Après, tout ce qui a été vécu comme péripétie, et le chef dans ses postures, pour vous, et qui rêvait du Bénin autrement, quelle est-tu, pensez-vous, qu'il va falloir y avoir, surtout pour l'avenir? Je crois que la balle, pour l'avenir, c'est toujours de l'espérance. Parce que le jour où il n'y a plus l'espérance, autant tout arrêter. Et je crois que quand on refait une lecture très rapide hein, de l'évolution politique de notre pays, nous avons connu beaucoup de difficultés sur le chemin, mais avec la foi et la détermination, les pères fondateurs de cette nation et ceux qui les ont suivis plus tard ont réussi toujours à nous remettre en face des défis. Et donc pour ça, pour moi, nous gardons l'espérance, nous gardons la flamme. Moi, je ne désespère pas. Contrairement à Laurent, qui déjà ils font la politique de la chaise vide, ce qui, de mon point de vue, et je veux l'espérer aussi, n'est qu'une manifestation de mécontentement. N'est qu'une désolation de leur part. Je veux espérer que ce n'est que ça. Je veux l'espérer. Parce que moi, on m'a appris quelque chose en politique. Et Laurent le sait. On ne fait pas la politique de la chaise vide. Là où ça se discute, il faut être là, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais il faut défendre. En entendant peut-être qu'il revienne là-dessus, mais lorsque une première fois, bon, il a dit, vous avez été à une rencontre, vous auriez souhaité que ce soit des échanges d'une certaine facture où ça se discute, ça se comprend. Vous avez eu l'impression d'avoir été floué. Ils ont cité un exemple tout à l'heure. Il dit qu'après, ils se sont rendus compte que les sous étaient saqués. Ce n'est pas exactement ce qui a été fait. Non. Vous invitez une nouvelle fois, vous chat échaudé, il craint l'eau froide. Non, il y a de l'exagération de la part de l'opposition. Écoutez, vous et moi, on est tous allés à l'école et on nous a dit de toujours situer chaque chose dans son contexte. Mais voilà des gens, je l'ai rappelé tantôt, qui ont participé à voter une loi. Et quand on dit une loi, est-ce que c'est une loi qui existe pour une minorité ou bien qui n'existe que pour une majorité? Vous avez été lancé dans le même contexte, dans les mêmes conditions pour les anciens partis comme pour les nouveaux qui ont été créés. Et vous ne vous êtes pas mis à jour. Vous n'avez pas rempli les conditions pour mériter d'aller aux élections. Et après, vous commencez à crier partout au feu, au feu, au feu. Mais c'est quoi ça? Dans un contexte comme celui-là, lorsqu'on rencontre un chef d'État, il y a le ton, il y a la manière. Vous venez, Laurent a utilisé une expression tout à l'heure, il a parlé de Django. Vous venez rencontrer le chef de l'État, c'est plutôt eux qui étaient dans une posture de Django, dans une posture de quelqu'un qui vient imposer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent imposer à l'autorité. Alors que vous êtes totalement en position de faiblesse. Vous n'avez pas respecté les règles. Quand on n'a pas respecté les règles, on fait profil bas. On vient, on fait le plaidoyer et on explique. Là, on va essayer de trouver une porte de sortie. Alors, vous venez dans cette posture et vous voulez que le chef de l'État vous embrasse? C'est comme ça que ça se passe? Je suis désolé pour l'opposition. Là, ils ont raté leur coach. Maintenant, le chef de l'État, il a pris la mesure de la situation. Et il dit, venons, discutons, essayons de trouver la porte de sortie. Ils savent très bien que la porte de sortie, le chef de l'État n'en a pas la clé. La clé, c'est au Parlement. Et c'est cette ouverture qu'une certaine directive de l'UEMOA nous offre.
pour dire, lorsqu'on se retrouve dans ce type d'imbroglio, on peut, si tout le monde est d'accord, et quand on va au consensus, on peut donc essayer de trouver une porte de sortie. Sinon, en réalité, ils savent qu'ils nous ont conduits totalement dans le mur. L'opposition. L'opposition. Ils nous ont foutus totalement dans le mur. Et aujourd'hui, ils ont beau jeu, ils sont dans le beau rôle, dans le très bon rôle, pour montrer que, ben voilà, on a un chef d'État qui, c'est avec son arrivée que l'opposition n'ira pas aux élections, et ils sont en train de se victimiser. En réalité, c'est eux qui ont tort. Malgré ça, malgré leur tort, le chef de l'État, en bon père de famille, j'insiste là-dessus, parce que si nous devrions nous caler rien que sur les tests de loi, écoutez, on va dire on s'en fout. C'est ce qu'on aurait dit. Mais le chef de l'État n'a pas dit ça. Il dit mais non, tant qu'on a encore une possibilité, discutons. Et c'est à cette occasion qu'ils se font, ils sont aux abonnés absents. Ça veut dire quoi ça? Il est temps que le peuple béninois et que tout le monde comprenne et découvre qui est en train de mal jouer dans cette affaire-là. C'est l'opposition qui joue mal. En tout cas, Et moi, oui. je veux espérer que lorsqu'ils iront à l'Assemblée nationale, cette fois-ci, ils ne vont pas en continuer à faire la politique de la chaise vide et qu'ils vont aller faire de belles propositions qui nous aident à aller sur le terrain. Parce que l'appel, oui, c'est d'aller de l'avant et cesser de se tirer dessus, qui a tort ou qui a raison. En tout cas, le message semble être celui du chef de l'État. Je voudrais, dit-il, espérer, au cours de cette rencontre d'ailleurs, qu'à partir de ce soir ou demain, il parlait ici le 6 mars, jusqu'au mardi, au plus tard, vous allez être en mesure de nous faire des suggestions, prendre des décisions, parce que vous en avez les prérogatives, s'adressant ainsi aux élus du peuple. Au besoin, s'il faut que l'Assemblée nationale aille en séance extraordinaire pour proposer des mesures nous permettant d'atteindre les objectifs tout en respectant les lois actuelles ou les lois de demain ou d'après-demain, ce serait salutaire pour nous tous. Et nous allons partager le mérite. Faton, en tout cas, des mots très beaux à entendre là. Nous allons partager le mérite. Jamais le chef, en tout cas, dans son adresse, n'a pensé à lui, à tous. Nous allons. Et déjà, vous l'avez su, en urgence, la conférence des présidents s'est réunie pour pouvoir étudier très rapidement le dossier, voir comment aller à une session extraordinaire. Vous savez, il faut que, premièrement, le chef de l'État se départisse de tout et qu'il laisse le Parlement jouer son rôle pleinement. Qu'il quitte les couloirs du Parlement comme il l'a fait depuis que le BNP est né. Parce que s'il continue à être le chef du BNP et à dicter sa loi au BNP, nous n'irons nulle part. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin du consensus. Et sans, le consensus avait valeur constitutionnelle au Bénin. Mais le consensus aujourd'hui est exigé par le protocole additionnel de la CEDEAO. C'est-à-dire que ça fait doublement complexe pour le pays. Et si on ne tient pas compte du consensus qui est dans la Constitution au Bénin, on sera obligé de tenir compte du consensus en respectant le protocole de la CEDEAO. Ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est qu'on sera obligé de faire beaucoup de concessions de part et d'autre. Alors que nous savons que le BNP n'est pas habitué à faire des consensus. Ils ne sont pas habitués. Ils ont passé 2 ans, pratiquement, à penser qu'ils sont les seuls intelligents du pays et qu'ils sont les seuls capables de nous donner les têtes de loi. Et aujourd'hui, c'est la première chose dont on a besoin. Alors, que le chef soit clair, qu'il donne les consignes à son BNP, qu'ils n'ont qu'à jouer leur rôle de parlementaire. Est-ce que, Laurent Delon, vous devez en douter après avoir suivi le chef de l'État dans une posture comme celle-là? C'est comme si, désormais, il demande à ce qu'on mette le compteur à zéro et qu'on parte sur de nouvelles bases. Est-ce que ce n'est pas suffisant ou il faudra plus? Je voudrais voir dans les actes, les jours à venir, pour constater. Vous insistez. Il faut que je voie les actes et que les actes nous prouvent que ce qu'il a dit, il est sincère et qu'il ne continue pas d'être toujours le maître du jeu. Parce qu'il aime tellement jouer le maître du jeu et il a joué en 2 ans. Nous sommes là, nous sommes aujourd'hui. Et il y a une communication qui a commencé depuis hier. A dit que le père de la nation, un bon père de la nation, oui. On ne commence pas à jouer. Ces deux mots sont des mots dangereux. Il faut que les gens arrêtent de continuer à faire la com' politique la dangerosité autour d'un sujet. On commence toujours par nous faire comprendre que le chef d'État n'a pas tort, que c'est l'opposition qui a tort, et qu'il a toujours le bon jour. C'est lui qui nous a conduit dans la gadoue aujourd'hui. Il faut que les gens arrêtent de dire qu'il est un bon père de la nation.
Il n'a jamais joué ce rôle. Il est élu comme chef de l'État. Nous le voulons jouer le rôle de chef de l'État, et non en paix de la nation, et non en bon père de la nation. Que ces deux mots soient laissés de côté, qu'il revienne dans son rôle de chef de l'État. Je suis linguiste, c'est deux mots différents. Qu'on ne fasse pas dans la gamme. En le faisant, ça tente de le mettre dans une posture hautaine, ce qui a toujours fait, ce qui nous a conduit là où nous sommes. Okay. Et vous comprenez que ces amis qui jouent à ce jeu ne lui rendent pas service, ne rendent pas service à la nation. Aujourd'hui, il doit jouer le profil bas complètement. Parce qu'il est coincé entre les accords de pays et la constitution et les lois qu'ils ont votées. S'il le fait, tant mieux. Et que ces acteurs qu'il a en lui, parce que le vrai problème viendra de son camp. Aujourd'hui, il a montré à ses acteurs que c'est lui qui joue le jeu, qu'il les a positionnés sur des listes. Et ceux qu'il a mal positionnés, il leur renvoie encore aujourd'hui de faire une relecture des lois qu'ils ont votées, les lois qu'ils ont déjà piégées. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont députés, qui sont à l'Assemblée, à qui les gens demandent maintenant de jouer le jeu C, alors qu'il n'a pas été sain envers eux. Des gens qui sont positionnés peut-être 5e, 4e sur des listes, qui savent qu'ils ne pourraient jamais revenir à l'Assemblée. C'est maintenant à ceux-là de revoir les règles pour élire les nouveaux députés prochainement. Il s'agit de la nation. Ça veut dire que le jeu ne sera pas du tout facile d'abord dans son camp. Le jeu sera dans son camp. Et qu'il sache trouver les mesures qu'il faut pour d'abord planer les horizons dans son camp. Et qu'en face de l'opposition, qu'il joue le jeu franc. S'il continue de jouer le jeu de la ruse, de la rage, la situation va s'empirer. Et que demain, personne ne vienne dire que c'est l'opposition qui a passé ce jeu, parce que l'opposition a toujours le jeu franc. S'il ne le joue pas, ça va s'empirer. Quand ça s'empire, il en sera le seul responsable. Parce que c'est lui qui a été élu par le peuple béninois le 6 avril 2016. Et c'est lui qui doit répondre le 6 avril 2021 de la gestion qu'il a fait ce pays. Votre vis-à-vis, il tient mon discours. S'il y a eu mal donné à divers endroits, le chef en a pour beaucoup. Même si le chef est bien loin de l'Assemblée, il paraît qu'il arpente les couloirs. Notamment où, de jour, je ne sais pas trop, mais... Laurent de leur façon le dit avec une certaine certitude que je voudrais vous demander. Alors, honnêtement, en regardant dans votre caméra, le chef de l'État joue-t-il au sein le jour et toute autre chose après? J'avoue que je méconnais Laurent sur ce coup particulier parce que je ne lui connais pas cette arrogance-là. Je qualifie ça d'arrogance. Parce que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où Laurent, vous voulez que le chef de l'État il joue que le rôle du chef de l'État? Vous le voulez? Oui. Mais si jamais il ne jouait que ce rôle, nous irons tous à la casse. C'est le rôle qu'on lui a demandé. Je vais vous expliquer. Non, du calme. Oui, on va se comprendre. Oui. Jouer le rôle de chef de l'État, c'est être garant de l'équité, de la justice pour tous les citoyens. Alors, si Laurent Sam dit que il ne le voit pas comme ça. Non, mais il l'a jamais été. En fait, c'est ce que Laurent essaye de dire. En fait, c'est ce qu'il lui demande. Il lui demande de ne rester que dans ce rôle. Si le chef de l'État ne devait rester que dans ce rôle, ce qui va se passer, on connaît ça à l'avance. C'est que il y a une règle qu'on appelle loi électorale qui a été votée par le Parlement et qui a énuméré les conditions pour être parti politique, les conditions pour aller à une élection. Il y a des gens qui n'ont pas respecté, il y a d'autres qui ont respecté. Qu'ils fussent opposition ou pas, ils n'ont pas respecté. Ok, chef de l'État, il joue son rôle, l'affaire est terminée. C'est pour ça qu'il faut être prudent dans les choix de mots. Et en ça, je comprends. Laurent, il est dans une certaine amertume, je le comprends. Nous n'allons pas demander au chef de l'État de ne jouer que le rôle de chef de l'État. Il faut que, en plus du rôle du chef de l'État, il puisse jouer le rôle de père de la nation. Et cela, je crois que ce n'est que ça qui va nous aider. Et c'est notre souhait, c'est notre plus profond souhait. Ce n'est que ce rôle qui va nous aider à sortir de la situation où vous nous avez envoyé aujourd'hui. Parce que être père de la nation, c'est quoi? Et c'est peut-être ça que Laurent n'a pas compris. On y revient avec votre permission. Après cette sortie, bien évidemment, on a fait le décryptage des grands as. Le dernier, on y revient parce qu'il reste très important du message du chef. L'opposition, d'une seule et même voix, a voulu se prononcer sur cette sortie du chef de l'État de façon solennelle. Ils ont, à l'unisson, les acteurs politiques, donné
ce qui pour eux paraît essentiel à la retenue de cette sortie est la posture à adopter pour que l'appel du chef puisse effectivement porter de fruits. Chers invités et chers téléspectateurs, avec votre permission, donc, on va plutôt, en complicité avec la régie, revivre les temps forts de cette sortie des acteurs politiques de l'opposition. Ensuite, nous reviendrons sur ce plateau. La régie. L'opposition a toujours appelé à un dialogue entre toute la classe politique. Après avoir raté l'occasion que nous lui donnions il y a une semaine, le président de la République vient d'en faire l'aveu de la nécessité. Dommage que des temps perdus. En demandant que le Parlement se penche sur les modifications des tests nécessaires, le président de la République reconnaît que ce ne sont pas les partis de l'opposition qui seraient des défaillants, mais que ce sont les tests eux-mêmes qui comportent des incongruités, des pièges insurmontables. Cette recommandation forte du président de la République pour sortir de la crise appelle la suspension immédiate du calendrier électoral. Conformément à nos engagements communautaires, aucun test de loi ne peut être modifié à moins de 6 mois du début du processus électoral, à moins d'enlever un consensus des formations politiques engagées dans le dit processus. La demande formulée par le président de la République est remise entre les mains de l'Assemblée nationale doit donc être subordonné au consensus qui devient une question préjudicielle. Ainsi donc, comme point majeur que nous proposons, vous devez pouvoir retenir en petit 1, retrait du décret convoquant le corps électoral. En petit 2, abrogation de la charte des partis politiques, du code électoral et du code pénal en ces aspects qui régissent les campagnes électorales et les élections. Petit 3. Assise entre les partis politiques pour rapprocher les positions et mettre en place un nouveau calendrier électoral. Petit 4. Enfin, relance du processus électoral inclusif. C'est pourquoi nous mettons en garde les faucons autour du président de la République qui voudraient compromettre la nouvelle phase politique qui s'ouvre dans notre pays et dont l'objectif est d'éviter de plonger les populations dans les crises que ces faucons ont conçues. Nous invitons le président de la République, en toute responsabilité, à prendre sans délai les gages nécessaires pour témoigner de sa bonne foi. C'était là, mesdames, messieurs, la quintessence de la déclaration suite à la sortie médiatique donnée par la formation politique de l'opposition. Gilles Rudolo, vous avez suivi le principal conférencier. 4 points principaux qui sont des propositions qui tiennent à cœur à la classe politique de l'opposition. Le premier point, vous en dites quoi? La suppression pure et simple du décret convoquant le corps électoral. Alors, Je risque de prendre au mot cette opposition-là. Parce que lorsque vous allez dans une négociation, comme je le dis toujours, il faut aborder des points qui sont des points de responsabilité. L'opposition l'a dit, la phase où nous sommes aujourd'hui, on ne peut rien faire sans consensus. Mais vous voyez le ton sur lequel tout ça s'est présenté. Écoutez, est-ce qu'il donne une possibilité de discussion? Moi, je n'ai pas le sentiment. Vous connaissez l'acteur, n'est-ce pas son ton habituel? Je vous pose exprès quand même la question. Il devrait adoucir ou bien on change de personnage carrément. Non, ça dit que les mots choisis, lorsque vous dites il faut faire un retrait, ou du moins il faut, oui, c'est ce qu'ils ont dit, retrait du décret qui convoque le corps électoral. Nous savons très bien que un corps électoral se convoque dans un certain délai, dans un certain timing. Et ça ne dépend pas du chef de l'État. Non. Si ça ne dépendait que de lui, il peut dire, on fait l'élection demain, on fait après-demain, etc. Ça répond à des critères. Mais lorsque vous dites, il faut retirer, faisant fi de toute la juridiction, de toutes les lois qui entourent ça, ça veut dire que vous voulez tromper le peuple. Qu'on retire, peut-être oui, mais on va le retirer en allant discuter,
en allant échanger. Et le cadre idéal pour mener cet échange, c'est connu, c'est le Parlement. Et là, le chef de l'État a posé la première base et le moment qui attend des actes, les actes ont commencé à se faire. Déjà, la conférence des présidents a eu à se réunir pour connaître de la situation et enclencher la procédure qui va aboutir donc à une plénière au cours de laquelle ils vont en discuter. L'abrogation de la charte des partis politiques et du code électoral. De mon point de vue, ça c'est le point de vue du citoyen béninois. Si déjà on peut aller à un consensus, quelle est l'opportunité d'abroger la charte? Ça veut dire quoi? C'est un recul. On a fait tout ça sur près d'une année. Pour quelle fin? Si c'est pour abroger, je n'en vois pas l'opportunité. Ça, c'est de mon point de vue, et ce n'est que le point de vue d'un citoyen. Moi, je pense que les autres points où il parle d'assises entre les partis politiques ne sont pas une conférence nationale, où il faut décréter une assise entre les partis politiques, mais pour quel objet? Pour les problèmes qu'ils ont créés par eux-mêmes? Je ne pense pas. Moi, ce que je demanderais très humblement à notre opposition, c'est d'aller à la négociation. Aujourd'hui, la conférence des présidents s'est réunie, elle va se prononcer, un processus est enclenché. Qu'il n'y aille pas dans le but de ça passe ou ça casse. Aucun d'entre nous n'y a intérêt. Ni l'opposition, ni la mouvance, nous n'y gagnons rien et rien du tout. Par contre, qu'ils y aillent dans un esprit de consensus. Et vous comprenez pourquoi je parle de temps. Lorsque je viens dans une négociation et que déjà mon vis-à-vis, il est braqué, pour lui, il vient ou ça passe ou ça ne passe pas, et qu'il n'a pas l'écoute, il ne prête pas attention à ce que je dis, ça ne va pas être un dialogue sérieux. Le Rondelot, attends, ce sont là des suggestions en complément, peut-on dire, de Gilles Rondelot, mais nous avons d'apprécier ces compléments en termes de suggestions. Que dites-vous, oui, de ces propositions, certainement vous épousez, puisque c'est des formations politiques, les bureaux des formations politiques qui ont porté ces propositions. Je suis de l'opposition. Oui. Et aucun des points évoqués par l'opposition n'est inconnu du peuple béninois. Ce sont des choses que tout le monde connaît. Nous savons qu'aujourd'hui, là où nous sommes, avec tout ce que nous avons rencontré sur le chemin, on ne peut plus tenir par rapport au délai dans lequel nous sommes. On ne peut plus. On ne peut plus tenir par rapport au délai. C'est comme si on veut nous précipiter. On veut nous conduire de manière précipitée à saccager le processus pour qu'in fine, on n'ait pas une bonne élection. C'est alors ça. Que pour qu'on ait une bonne élection, il faut qu'on réaménage le calendrier électoral. Et pour le réaménager, il n'y a pas deux solutions. C'est que le décret soit abrogé et qu'on puisse revoir. Et pour revoir ce décret, on ne peut que, pour revoir le calendrier, on ne peut qu'abroger le décret et sortir un décret. Ça, c'est le bon sens qui le dit. Quant aux problèmes qui sont liés à la charte et autres, au droit pénal, au code pénal et autres, nous savons que le code pénal tel qu'il est libellé, aujourd'hui restreint la liberté au niveau de la campagne. On le sait alors que nous sommes dans une période de campagne. Aujourd'hui, ce que nous avons, le chef de l'État, avec ce qu'ils nous ont conduit, il donne une occasion à l'opposition de rectifier certaines erreurs qui ont été commises et contre lesquelles on a toujours tenu à corriger et ne pas voulu. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Parce qu'on ne peut pas vouloir corriger le problème sans le corriger dans l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une impasse. Et pour corriger l'impasse, il faut lever tous les points de goulot de traitement que nous avons. Et il faut le faire. Et je ne conçois pas comment M. Rondelot continue toujours pas dit. Et comme il ne contrôle pas les 17 réseaux sociaux, que c'est l'opposition qui a conduit là où nous sommes. L'opposition n'en est pour rien. Et je tiens à le rectifier. Nous n'en sommes pour rien. Ce sont eux qui nous ont conduit là où nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez vu le chef de l'État, il a directement indiqué la voie à suivre. Il nous renvoie directement à l'Assemblée. C'est comme s'il reste toujours et demeure celui qui a le dernier mot. Aujourd'hui, le dernier mot revient au peuple béninois. Il faut trouver le moyen par lequel on négocie. Parce que ce que nous avons aujourd'hui ne sera pas seulement discuté à l'Assemblée. C'est comme si les solutions sont à l'Assemblée, alors que chaque institution a un rôle à jouer. Ce n'est pas que l'Assemblée qui a les problèmes. La Cour en est pour beaucoup. La Cour constitutionnelle, avec le certificat de conformité, a créé des problèmes que nous n'avons jamais eu. Et le plein Assemblée, en tant qu'institution, a créé des problèmes avec son gouvernement, où le ministère de l'Intérieur a créé tous les problèmes possibles. Il va falloir s'asseoir et il va falloir trouver un moyen
ça soit malheureusement de l'enfanton et Gilles Rondolo, on n'a plus beaucoup de temps. Ça va être pour conclure, mais j'aimerais que vous, voilà, c'est terminé. Dites rapidement, il paraît qu'il y a des Foucault autour du chef et on les appelle vraiment à cadrer les adhérents au chef à faire la part de votre conclusion. Je fais partie de ceux qui sont autour du chef. Est-ce que j'ai l'air d'être un Foucault? Je ne pense pas. Autour du chef, il y a des hommes raisonnés, des hommes qui réfléchissent, des hommes qui ne sont pas prêts à envoyer ce pays dans le décor. Et nous, on travaille pour la paix. Merci. On travaille pour la paix, oui, c'est le mot. Oui, votre mot de la fin. Je pense que le chef a pris conscience désormais que ses pays ennemis sont dans son camp. Il faut qu'il nettoie son écurie pour faire avancer le pays. Sinon, quand il y a un pas, c'est lui qui en sera le plus responsable. Je ne souhaite pas qu'il y ait un pas dans ce pays et que son image soit ternie. Merci à vous de l'enfanton. Merci également à vous, Gilles Rondolo. Le message de fin et à l'apaisement. Mesdames, messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir eu en notre compagnie. Demain, c'est un autre jour, mais on sera toujours là avec la même disponibilité pour vous accompagner. Je vous accompagne, comme c'est la tradition, sur cette citation de Machiavel, l'homme trop controversé, le grand architecte du temps, dit-on. Pour être efficace, dit-il, il faut cacher ses intentions. Bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt.